Dutrisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons d'orange. La rencontre Martineau Dutrisac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. I was born in Düsseldorf and that is why they call me Rolf. Be stupid, be a smarty. Come and join the Nazi party. Ah, c'est Justin Trudeau qui chantait. Non, c'est un vieux film de Mel Brooks. C'est la comédie musicale de Producers, ouais, que Serge Postigot a monté en France, ouais, et ça s'en vient au Québec. Il va le présenter au Québec. Je vais aller voir ça. The Producers, je l'ai vu sur Broadway avec Nathan Lane. Moi aussi. C'est aspicé. Et John Lithgow. Ah, c'est drôle. John Lithgow et Nain. Nathan Lane. Et c'est l'histoire d'un producteur qui il a comme un tour de passe-passe. S'il fait faillite avec sa comédie musicale, s'il fait faillite, il fait plein d'argent. Un tour de passe-passe. Ouais. Donc, il décide de monter la pire comédie musicale au monde. Et il en trouve une. C'est une comédie musicale sur Hitler. Ça s'appelle Springtime for Hitler. Le printemps est arrivé pour Hitler. Et là, t'as les nazis qui chantent une comédie musicale sur Hitler. C'est à ce pisser dessus. Et Mel Brooks, c'est tellement drôle. Juif, il me semble. Oui, ben oui. Tu sais, fait que ben il y avait comme... Mais il y a eu des problèmes quand c'est sorti. Tu sais, il a été critiqué, mais c'est drôle en chien. Mais Serge Postigot, là, pour adapter des comédies musicales, il est vraiment très, très bon. Dans et quand ça a été, tu sais, ça date des années 60 de Producers, et ça a été remonté récemment sur Broadway, et ça a gagné tous les prix, toutes les Tony, ça a gagné, tu sais, genre 15 Tony. Tout est bon là. Ok, donc, mais Springtime for Hitler, parce que c'est ce que chantaient les gens du Parlement. Oui, Sionka est allé, il a claqué des... tu sais, il a claqué des talons. Attends, comment on fait? Tu sais, quand il a reçu son maman, tu sais, comment il faisait, les nazis. Ça, puis... tenir sa cigarette comme ça. Oui, oui. Alors, vous allez avouer vos crimes, M. Martineau! c'est vraiment... Ils n'ont pas fait de vérification d'usage. Toi puis moi, on va tu là, rentres... ils nous fouillent tous les orifices de notre corps. Là, il arrive un monsieur de 98 ans, indice, il était au front pendant la Deuxième Guerre mondiale. Contre la Russie. En Europe de l'Est. Contre la Russie. Contre la Russie. La Russie qui faisait partie des alliés. Il était dans quelqu'un. Là, Anthony Rota appelle tous ses... Et son personnel. Et pendant qu'il était pas né, tu sais, évidemment, pendant... tu sais, moi non plus, j'étais pas né pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais je sais ça, tu sais, tu vérifies. Je suis qui fumait une pipe, tu sais, comme le personnage dans Glorious Bastards. Ouais, le nazi avec une super grosse pipe bavaroise, là, tu sais. Monsieur Martineau! Ça n'a aucun bon sens. Ah, c'est vrai. Et là, Yves-François Blanchet, je l'ai interviewé là-dessus, puis il dit, on veut pas... Puis c'était correct, tu sais, on veut pas faire de la petite politique là-dessus, tu sais, on veut pas en profiter, mais c'est une grave erreur. Imagine Vladimir se claquer les cuisses. Je veux dire, tu sais, le Canada est un bouffon sur la scène internationale. Ça n'a pas de sens. L'Inde le dit, la Chine le dit, on est un pays de bouffon mené par un clown. La Chine contre nous autres, l'Inde et Israël, là, maintenant, à partir d'aujourd'hui, contre nous autres. Quel est le prochain pays? Le Luxembourg, ouais. Hey, on peut-tu garder les bonnes relations avec les États-Unis? Tu sais, juste ça serait pas pire, tu sais. Écoute, Luc La Liberté me disait qu'il y a un sondage ABC qui est sorti disant que contre Biden, Trump gagnerait. Il gagnerait contre Biden. Si j'étais démocrate, je dirais, faut placer Pépère. Comme faut disait Yvon Deschamps. Pépère, comme disait. Là. Comme disait Yvon Deschamps. J'ai la tulipe, je pense. Gagan, mon invité pour midi. Oh, c'est lui-même en personne. Ouais, ouais. Faut placer Pépère. Il faut qu'il se débarrasse. Ils peuvent pas aller au bâton marbre avec Pépère Biden. J'ai lu un article moi, qui disait que les Américains étaient plus inquiets de l'âge de Biden que des condamnations de Trump. Là, tu dis, Chris, ils sont mal pris. Mais Biden, là, il dit, faites-vous-en pas, les sondages sont pas bons, mais l'élection, c'est dans un an. Mais Christy, tu vas avoir un
un an de plus. Rendu à cet âge-là, ça s'améliore pas, mettons. Ça ne s'améliore pas. Je conduis. Denis, tu veux t'asseoir avec nous? Viens t'asseoir. Je conduis. Il n'aimerait pas ça, ce que je dis, là, ouais, Denis Coderre. C'est pour ça que je l'invite. Il n'aimerait pas ça, Denis Coderre, parce qu'il est dans le camp du multiculturalisme. Ah, je le sais. Fédéraliste dur, pur et dur. Vous faites de l'agisme. Non, on fait du non. fédéralisme. Non, 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 il y a des vieux qui sont capables, mais lui, qu'est-ce que tu veux? Il est trop vieux. Il est trop vieux, là. Non, non, mais Joe Biden, il est gênant. Là. Il a foncé dans un drapeau brésilien, puis il s'est obstiné avec le drapeau. C'est pas parce que j'ai une canne, puis j'ai 60 ans, un peu moins jeune que toi. Oui, quand même. Mais faut que tu saches où t'en es dans la vie. Quand t'es pas capable de faire le marathon... On veut son jugement, on veut pas la personne va imaginer. Son jugement, déjà. Quel jugement? Toi, t'es Biden. Oui. Parce que Richard va voter Trump, là. Je suis américain, moi. Non, non, je vote pas Trump, pas tout. Absolument pas Trump. Mais si j'étais américain... Richard, je vais parler en privé. Si j'étais américain, mais tu sais, s'ils veulent gagner, ils veulent-tu gagner? Ou ils veulent avoir raison? Les démocrates? S'ils veulent gagner, mets-toi les meilleures chances sur ton bord. On vote jamais pour l'opposition, on défait le gouvernement. Ah, mais... Là, tu vois, ouais, mais il y a Robert Kennedy Jr. Là, en liste. Un fou furieux. Robert Kennedy. Un fou furieux, il est en anti-vax. Ouais. Avant de partir, ouais. Je suis en auto sur Jean Talon, pas Jean Talon dans le coin du Petit Maghreb, Jean Talon près de l'autoroute des Carrés. Ouais. On passe devant, il y a un centre islamique pour la famille, centre familial islamique. Il y a 4-5 petites filles qui avaient 6-7 ans, mais voilées de pied en cap. Vraiment, là, comme leur mère qui était là à côté, mais au complet, là. OK? C'est de la maltraitance contre les enfants. C'est de la maltraitance. Et je ne sais pas pourquoi, parce que c'est ta religion. Premièrement, il y a plein de musulmans qui portent pas le voile, etc. Mais là, c'était pas rien qu'un petit voile sur la tête. Là. Les petites filles étaient vraiment le kit au complet. 6-7 ans. Mais il n'y a pas de débat de société là-dessus. Ça fait longtemps qu'on en parle, toi puis moi. Il n'y a pas de débat de société. Okay. On préfère fermer les yeux sur la maltraitance de ces enfants-là pour des raisons religieuses. Dans le devoir, il y a un texte sur les gens qui ont manifesté là, contre l'enseignement de l'identité de genre. Bon, c'est une manifestation très disgracieuse. Mais là, dans le devoir, on parle, il y a un expert qui est interviewé, puis il dit c'est l'extrême droite qui était dans la rue, tout ça. Et là, il dit c'est l'extrême droite. Puis là, il y a une photo. Il y a une photo pour illustrer ce texte-là. Il y a 6 femmes voilées qui manifestent contre les trans. Hein? Jamais dans le texte, il y en a question. Dans le texte, il parle de l'extrême droite, puis tout ça. Jamais il parle que ben il y avait une couple de musulmans crinqués là-dedans. Il n'en parle pas. L'extrême religion, il n'en parle pas. C'est toujours l'extrême droite. Fondamentalisme religieux, il n'en parle pas. Non, non, ben ils n'ont pas le droit. Ils vont se faire chicaner par Mme Nicole. Oui. C'est de même que ça marche. Tu veux-tu chicaner M. Coderre? Non, je vous laisse. Non, non, faut que je passe à Philippe-Richard Bertrand qui vient de faire le triathlon. Il revient de New York, là. Il l'a-tu fait ou il va le faire? Le Iron Man. Il a l'air de rien, hein? Philippe Richard, mais il est capable. Tu parles à un gars, tu vas interviewer un gars qui a fait de l'Iron Man. Ouais. Moi, tantôt, ce matin, j'ai interviewé un champion du mini-pot. Tu vois? On est dans nos catégories respectives. Parfait. Merci. Merci, salut, Richard. Salut, à demain. Denis Coderre va suivre vers midi. On va faire Philippe Richard Bertrand avant. Il est correct.